Bon, je ne sais pas ce qui s'est passé. Bon, j'ai dû peser ma main sur quelque chose et puis j'ai perdu la réception. En tout cas, je vous demande tout le monde de se retrouver une fois de plus à l'émission. Je crois qu'il y avait beaucoup de gens qui était déjà branché. Donc je vous demande de retourner là afin de commencer l'émission. Donc je m'excuse, hein? Je m'excuse. Je m'excuse. Si par hasard que vous avez dû. Je ne sais pas ce qui s'est passé. J'ai essayé d'inviter beaucoup de gens et puis après avoir invité les gens, quelque part, mon doigt a été placé malement et puis j'ai perdu la réception. Donc je m'excuse. Me dire que par contre, comment ça s'est passé, moi juste peser un bouton, moi inviter quelqu'un au choix. Et puis après ça, belle réception. Donc, moi, je dis tout le monde retourner là, bel et bien là, pour nous commencer le choix. Boutus Frem, qui j'en ai pas pris. Qui encore est? Est-ce que mon cabaret là toujours? Mon cabaret est là? À ce soir, nous allons parler d'un topic qui est assez intéressant. Cap bon pour tout le monde. Donc, moi, je vais faire même devoir ou te faire le devoir pour partager vidéo avec tout le monde. Hein? Tout le monde. Parce que le travail n'a pas fait beaucoup moins. C'est nous-mêmes qui pouvons aider et essayer de faire le travail là. Donc, en forme. Très bien. Très bien. Donc, maintenant que tout le monde là branché là pour commencer le show là. Mais quelqu'un est déjà là, et même bien dur. Tu vois, je suis un peu maladroit sur question de computer. Tout est technique, ça. Donc, c'est pas ma faute. Donc, je m'excuse. Donc, je vais tout le monde tourner là pour nous commencer le choix là. Hein. Ok? Je vais tout le monde tourner là pour nous commencer le choix là. Donc, c'est donc comme là, moi les donc pour nous partager le choix avec toute famille, nous, à tout le monde qu'on est. Ok? Donc, je ne vais pas oser inviter Mounio encore parce que tout à l'heure, on a invité Mounio là et puis, I don't know what happened. Et puis, je perds du contact. Donc, nous m'aider tout le monde là et pour stimuler le choix là, faire mon paraître là. Puis, vous faire le choix là. Fabi Moto, salut mon ami. Et ça fait grand plaisir pour moi que tu sois parmi nous ce soir. Et donc, je te souhaite la bonne écoute. Et puis, si tu peux en servir des conseils que je vais étaler sous peu, tant mieux. Et en tout cas, je te demande, Fabi, de partager l'émission avec vos amis, avec la famille. Mille merci d'être branché. Donc, salut Sonia Midi, salut Brutus, salut Fabi Moto, salut Jean-Marie Eisner. Salut, salut, salut. Bon, j'attends que l'audience grandisse afin que je puisse commencer l'émission. Parce qu'on ne peut pas commencer une émission sans une audience, alors. Hein? Donc, à vous de faire votre devoir, mes chers amis, de vraiment de partager l'émission avec vos amis afin que
que nous tous soyons réunis devant la table afin de commencer l'émission. Kathleen Henrys, comment ça va? Bonsoir Kathleen. Mais tout le monde qui est là, chère vidéo, mais je suis que nous riches tout le monde pour tout le monde qui a appris à soir. À soir, nous ne pouvons pas avoir un topic qui est important à soir. C'est un topic qui est vraiment qui sensible. Et surtout en Haïti, ce n'est pas facile en Haïti de diagnostiquer maladie ça. OK? À soir, nous allons parler de maladie et cancer dans l'estomac. Reginald Nelson, good evening, brother. How you doing? How you doing? À soir, nous allons parler cancer dans l'estomac. Dans un pays qui avance, c'est facilement pour détecter maladie. Hein? Mais un pays comme Haïti, d'où que les phénomènes de routine endoscopie pas faite normalement en Haïti. Okay? Et selon ça, au rapport témoin, l'offre endoscopie, normalement dans le pays ici, ils ont endormi, ils ont bon anesthésie. Mais en Haïti, ça fait me comprendre que quand on fait endoscopie, j'éclaire. J'éclaire. Marrant si c'est vrai, mais deux mots qui disent ça. Ok? Et deux mots qui disent ça, marrant si c'est vrai. Donc je répète après les gens, si c'est la vérité, donc c'est quand même très dur. Hein? Ok? Fabi a dit avec plaisir, Dr. Benoît, rassure-toi, je vais le partager en ce moment même. Ok? Mille merci, Fabi. Mille merci. J'apprécie beaucoup ton dévouement. Mille merci. Donc c'est vraiment maladie que ouais, facile en Haïti. Ok? Donc, quand c'est vous là, on peut la quelques Boutus qui est en Haïti là, qui est à Kaye Cabaret, il peut faire de voile pour lui partager vidéo émission ça avec tout le monde, surtout le monde qui est dans l'âge, parce que parfois, mon yo gen bagayo et puis yo pas connaît ça qu'il fait. Donc, c'est sûr et comme ça. Bon. Je ne vais pas m'attarder trop pour commencer, mais ma bah mon petit temps tout petit. Et puis après ça, m'a commencé sous peu. Mireille Manoli, salut, comment ça va? Ça va? Bon, je souhaite la bienvenue, Mireille. Bienvenue, bienvenue ici. Bienvenue, bienvenue. Donc, sous-faites brancher là. C'est Dr. Benoît qui l'a chaque samedi. Et puis, chaque samedi et puis chaque mardi, le mardi à partir de 7h30 et puis le samedi à partir de 3 et de 5h. Michel Yoto, salut. Soyez la bienvenue, Michel. Soyez la bienvenue. OK. OK. So, malgré tout le monde pour faire de voyous, puis partager vidéo avec tout le monde pour que nous qu'à sensibiliser monio. OK? Iceberg, garçon Pam, Frem, qui j'en ai papi? Zagra fait. Ah, moi, Iceberg là, moi, bego, next ou aïe, aïe, aïe. Moi, j'ai besoin. For the summer, I'm thinking to be like you. OK? All right? Next summer, next summer. En tout cas, welcome Iceberg, welcome. Travailleur fait dans le gym, les payer, parce que au cas où, au physique, tête chargée. OK? Très bien. En tout cas, welcome. Joseph Kessia, tu dis merci déjà. Hein? OK, très bien, très bien, très bien, très bien. Mais, t'inquiète, Kessia.
Je crois que la fois dernière, tu m'avais demandé d'en discuter sur ce topic, est pas vrai? Si je ne t'entends pas. Okay? Soit tu m'as demandé de discuter sur le cancer de l'estomac ou du moins le cancer des poumons. Donc, si c'est sur tes mains, si c'est sur tes mains vraiment, donc à ce moment-là, nous allons discuter qui est sous cancer de l'estomac. Okay? One love, bro. One love, iceberg. One love. One love. One love. One love. Bon, eh bien, on va commencer, Shoala. Oh, bien sûr, ok, eh bien, donc j'ai dû exécuter ta demande. Donc, ce soir, on va parler du cancer de l'estomac. Bon, eh bien, nous allons commencer parce que, oh, tu as demandé long cancer. Ce long cancer, ce sera pour la prochaine fois, ok? Donc, ce soir, on va parler de cancer de l'estomac. Et la raison pour laquelle je parle de cancer de l'estomac, selon les qu'en dira-t-on, je ne suis pas sûr. Je ne suis pas sûr. Selon les qu'en dira-t-on, les gens qui parlent, ils prétendent dire que l'une a vu d'être noyau, il était mort à partir de cancer de l'estomac. Ok? L'une a vu d'être haïtien, yo. L'été mouillé à partir du cancer de l'estomac. Si on jugeait bien que, pour assurer la maille de cancer de l'estomac, parce que son topic que en pile, il en pile nous en stade. Bon. On a commencé. L'estomac. L'estomac, l'homme gardé, on croit au monde. L'homme manger un premier digestion qui fait, il fait dans la bouche là. Et il est fait à partir de une série de enzymes qui fait nourriture quoi manger hein, les venir dans plus petite forme dans bouche. Par exemple, l'on mange un pain ou gagner pain en gagner sucre là-dedans, carbohydrate. Au besoin on enzyme qui peut causer une dégradation de gros sucres, les amylases, amylase ou bien amylase dans la bouche. Son premier digestion qui fait là, c'est le fait dans la bouche. Après ça, il passe dans l'œsophage ou bien ce qu'on appelle des œsophagus. Les œsophagus, ils descendent et puis après ça, ils arrivent dans l'estomac. The first digestion that occurs, it occurs in the mouth, in presence of an enzyme called amylase that breaks down big molecules of carbohydrate into smaller one. It is done by this enzyme called amylase, and the first digestion occurs in the mouth. And then the food goes down to the esophagus or l'œsophage, and then it comes down to the stomach. Now, and tonight, our concern, our concentration is about the stomach. Okay? Now, so let's see a picture of what I'm talking about. Okay, let's see. All right. Okay, this is it. Okay, now, if you see this here, let me see. All right, so this is the esophagus. Okay, all right, so this is called the gastroesophageal junction. That means that's the junction between the esophagus and in the stomach. This is the body of the stomach. Okay? The fundus of the stomach. And this is the duodenal part of the stomach. Okay? So that's the stomach. That's the way a stomach looks like. Okay? Now you're gonna see a ring
There's a ring around here. Let me see. N'après un ring là comme ça. Là comme ça. Let me show you. Là comme ça. Let me see. Ok. N'après un ring, n'après un petit code. Ok, n'après un petit code qui dans ballon là. Petit code ça lui-même, c'est lui-même qui vraiment qui jonction gastro et ça fait que ça. Ok? Ok? Attends, un second. Ok? All right? So, c'est ça qui relie de gastro et ça fait que jonction. Ok. Let me see if I can increase it a little bigger for you so you can see it. All right. Ok. So, this is better. Ok? So, nous voyons ça, partie ça là, côté nous voyons by circle là, c'est lui même qui relie gastro et esophageal junction. Excusez-moi, nous voyons que baga qui long ni en l'air là comme ça, baga qui long ça, c'est lui même qui esophage et puis après ça, ou gagne baga ça lui même, c'est lui même qui relie et stomach là. OK. Now, so, ça c'est anatomie pour qui relie qui et gens que nous kawe son mec là dans common. Now, so in the stomach, il y a plusieurs parties. Il y a partie qui relie partie cardiaque, une partie qui relie the fundus, gain the body of the stomach. Et puis, il y a ce qu'on appelle the antrum, et finalement, il y a un côté de pylorus. Donc, je vais montrer nous, partie ça très bien, pour nous comprendre sans m'a pas l'air. Ok, tout le monde? Ok. All right. So, ça c'est vraiment ça c'est un vrai ça c'est un estomac son estomac. OK? So as you can see sorry. OK. Now. Quand vous êtes monté tout à l'heure là, bon, OK? Now, ça c'est gastro esophageal junction non? Ça c'est the fundus of the stomach, that's the body of the stomach, that's the antrum of the stomach, that's the partie pylorus of the stomach. OK, so c'est comme ça on stomach divisé. OK, all right. Now, so dans chaque partie ça yo dans les sommaires un cancer qui arrive. OK, un cancer qui arrive. Now, et dans ce stomac là gagne digestion qui fait tout gagne enzyme qui fait dans histologiquement parlant. Non, et ce moment-là, on gagne une cellule grêlée, cellule de pariétal. Cellule de pariétal, ça y est, ou du moins, en anglais, il y a de parietal cells. Il produit acide chlorique, acide hydrochlorique. Et acide hydrochlorique, ça, l'effet intestin, l'effet estomac-là, gagne un pH de 1,8. Ça qui dit que il est vraiment, vraiment acide. OK? Donc so l'estomac c'est là toute acidité liée et ça fait avec que les que on gagne heartburn, the heartburn c'est à cause de acide là. Et ça qu'on gagne ça qu'il faut gagne inflammation dans l'intestin, c'est à partir de acide là qui fait que il cause inflammation. Now,
Même j'ai gagné enzyme, excuse-moi, hein, il en bouche au monde, ou gagne enzyme aussi bien dans l'estomac. L'estomac, il fait fonction de digestion aussi bien. OK? Donc, les que gagne problème dans l'estomac, ou gagne pile bagaille ou pas qu'à faire. OK? Now, donc l'homme mange manger, manger à passer dans le bouche, manger à passer dans l'estomac, livrer dans l'estomac, l'estomac lui-même, il produit tout acide là, et puis enzyme vini pour assurer digestion, soit manger. So, en pire symptôme que en pire gain, l'on dit heartburn. The heartburn come from the excess acid que mon a gain. OK? Ah, c'est acide ça qui causait une sorte de burning. OK? Ou gon burning ou senti bouche l'estomac chaud. Et ça fait que c'est ça. Yeah. Donc, on parlait ça c'est anatomie en termes de l'estomac. Now, quand il y a à nous parler de incidence de maladie cancer ça. Cancer de l'estomac, c'est quatrième cancer qui plus commun à travers le monde. Mais pays qui a un cancer ça plus la caillot, c'est asiatique. Donc à voir que qualité manger moun sa manger manger moun asiatique sa yo yo gagné. Oui, j'ai du get a red. Fabi, j'ai l'allergie. C'est à partir de l'allergie qui fait que m'a poussé comme ça. Excuse-moi. Merci pour le conseil. Hein. So, gastric cancer, c'est le quatrième cancer qui est plus commun à travers le monde. Et aux États-Unis, c'est le quinzième cancer qui est plus commun. Now, ce qui est très difficile dans la maladie, dans cette maladie, c'est que la maladie, parfois, n'est pas perceptible. Ça avait dit, n'est pas facile pour détecter la maladie, parfois, maladie, ça, cancer l'estomac, n'est pas venu avec symptômes. Et le plus souvent que c'est au dernier moment les cancers a commencé à manger en amont, mon a commencé à avoir des symptômes. Ça fait que en pile monde qui a cancer l'estomac, ils sont arrivés dans le dernier point et ils ont constaté que l'antigène trop tard pour eux. Now, on nous parlait de Kounia là de symptômes de cancer de l'estomac. Ou qu'à fatiguer. Et fatigue là, c'est à partir parfois, c'est parfois ou anémique. OK? Parce que les si cancer la prolongée, parce que si cancer a dépassé paroi gastrique là, et puis les vignes en partie sous-muqueuse, ok, parce que l'organe est un tissu comme une glande de gastrique gland, ou une partie muqueuse, ou une partie sous-muqueuse, et dans sous-muqueuse, et c'est ça où il y a tout vaisseau sanguin, ok. Et si que cancer les dépasser partie ça la bonne joint avec des vaisseaux sanguins et puis les causer qu'on saignait. OK? Et à partir de saigner ou saigner ou devenir anémique et puis on sent fatigué. L'autre problème au gain, on sentit que au sentir au ballonné. Le fait que digestion pas fait bien
Très bien, me disant très bien d'aller là. Le fait que les choses sont pas faites bien, on vient ballonner et puis on sentit que tout ce qu'on mangeait, on sentit qu'on vient enflé. C'est parce que manger a pas qu'à descendre bien parfois. Et parfois, tout dépend côté que quand c'est agita, manger a pas quitter l'estomac. Hein? Ok? Parce que les manger a fini vers l'estomac. Faut la partie intestin hein, pour le réabsorber. C'est pour une partie intestin really, du duodénum. OK? Et parfois que manger à l'irrité dans jonction gastro-duodenal junction non? Là, c'est parti ça. Hein? Et bien manger à pas descendre. On l'autre et c'est un monde qui a gagné encore. On a senti que tout ça le manger les foules. Il y a ça early satiety. C'est que on a vraiment depuis le manger, il prend 2 cuillères à manger, il senti que il plein. Tout ça c'est parce que parfois qu'on gagne une obstruction qui gagnait au niveau de la paroi gastrique et puis que manger a pas bien descendre et de ce fait que maintenant, il sentit que le foule. Now, en pile monde, et c'est là que m'ta aimé que conseil ça arrivé, arrivé tout le monde, arrivé côté Haïti, arrivé parmi nous. En pile monde. Qu'on peut présenter avec cancer gastrique, cancer de l'estomac, avec heartburn, c'est-à-dire que l'estomac boule. Et en pile, mon conchita apprend Maalox, il apprend antiacide pour des temps, sans que le pas connaît que le grand cancer de l'estomac. OK? So, second, on hub. Sou genye on douleur ou sensi l'estomac va brûler au tout le temps persistant et puis médicament pas fait trop pour il est quasiment important pour le docteur immédiatement parce que plus autant longtemps pour docteur diagnostiquer c'est plus les vini difficile pour docteur pour joindre un traitement pour. OK? So, l'important, si que yo dit que ou fait acide d'estomac. OK? Et puis ouais médicament ou te comprends, il va faire rien pour Jobo, c'est le docteur pour docteur qui a fait plus test pour. On l'a cet qui encore. Maintenant, yo connaît comme parfois, yo connaît une nausée inexplicable. Tout ça, yo envie vomi, yo une nausée. Tout ça, c'est symptômes qui accompagnés de cancer dans l'estomac. Mais bagay qui plus fréquent au cas joindre. C'est là que mon dira que ligon doulet en bakel. OK? Là que ou gagne suspicion ou gagne cancer de l'estomac et puis ou gagne douleur en bakel, c'est que bah est grave déjà parce que c'est que qu'on y a là et cancer là la prolongé vaisseau et lui-même il attaque nerf yo. Et depuis l'attaque nerf yo, c'est que les dépasser et paroi gastrique là, sur le il commence à envahir, il peut aller dans ganglion et puis il peut disséminer dans tout le corps, il peut métastatiser dans tout le corps et c'est là ça devient dangereux. Donc, une douleur inexplicable, une douleur atroce, une douleur féroce. Au niveau de la partie mid et
de mid-épigastrique, quand il l'a, comme ça, c'est une douleur pour m'assurer ou pour le docteur immédiatement, pour pas si t'as dit encore ou gain acide ou gain acide. Ok? En pile, le monde fait ça. Et qu'on est en Haïti, les gens n'ont pas de problème ça, pour diable, qu'on me dit que pas gagner en Haïti, pas gagner luxe ça, pour y avoir un docteur, un garçon, un théologue, pour le docteur, et faire une routine endoscopie pour yo. Ok? Et un bagage qui est simple, mes amis. Parce que et nous avons pile bon gastro-entérologue haïtien. Mais cependant, le pays est dépourvu de tout. Parce que nous disons que, selon Guillaume qui dit, il y a un monde qui fait endoscopie, j'ai ouvert sans que il n'y a pas d'anesthésie en Haïti. Ok? Donc, si nous avons en Haïti là, mes amis, et nous connaissons que nous avons une douleur qui atroce, qui en bas et l'estomac, nous. Ok? Ok? En plus, là, nous pensons que l'estomac là, c'est dans le ventre, non? Mais l'estomac là, c'est l'allié, c'est là. Ok? Dans mi-temps, poitrine, non, c'est l'allié. Seconde douleur atroce en bas là-haut, ou supposé, ouais, docteur, immédiatement, pour docteur à café pour nous. Now, si que ou gagne ou a vomi tout le temps, tout ce qu'on mange en vie vomile, c'est cas un signe de cancer de l'estomac. Surtout moun qui gagne ce qu'on appelle gastric outlet obstruction. Il est toujours venu avec vomissure. Moun pral montrer tout à l'heure ça qui côté parti d'un gastric outlet. Soit vomi en pile, les cas on soupçon de maladie cancer estomac. Mais le fait que moun sa yo tout ça a mangé yo plein tout ça a mangé yo vomi en pile là yo vin perdre du poids et souhait ou son moun tout d'un coup ou a perdre du poids involontairement donc ou supposé ouais docteur pour ça. OK, now laisse voir si je peux inviter beaucoup plus de gens à regarder le programme parce que jusqu'à présent, je n'ai pas constaté qu'il y a trop de gens qui regardent la télé. Pas la télé, qui regardent le programme. Laisse voir. Donne-moi un petit moment, hein, mes amis. Laisse voir. Messieurs, que Mbappé du Noir. Laisse voir. Laisse voir si je peux inviter beaucoup de gens à regarder le programme. C'est un programme qui est important, mes amis. Parce que maladie, ça a son maladie que. T'as le droit de regarder qui âge groupe qui a gagné maladie, ça. Ok? Ok? T'as le droit de regarder qui ça qui causait maladie, ça. Ok? Qui fait maladie, ça, la fait des gars comme ça. Ok? Donc, laisse-moi inviter, parce que au début, j'ai dû inviter tout le monde, mais j'ai perdu un peu le monde. Donc, je vais essayer de rattraper les gens, puis qu'à venir regarder cette émission, parce que c'est une émission très, très importante. Mais c'est que, dès que je finis là, perdu, non? Parce que tout à l'heure là, je vais peser mon bouton, il y a un bouton me peser. Pour ça pas arriver encore. OK, parce que faut apprendre le son. On voit l'on va arriver en première fois, il passe au zéro niveau de froid. OK? Donc laisse-moi inviter tout le monde ici pour nous qu'on audience beaucoup plus large avant que moi continuer parce que je viens commencer un peu pour parler toujours. Donc t'aimer que pour communauté profiter
de ce samedi là. OK? Donne-moi une seconde et puis je vais continuer. Entre-temps, je vous demande de faire votre devoir civique, d'inviter tout le monde, vos amis, à vraiment prendre part à cette émission. Parce que, Piga pensait que le fait que nos jeunes ne pas des maladies, ça, il est vrai, ce n'est pas une maladie des jeunes, des gens qui sont très jeunes. Mais cependant, on nous parlait tout à l'heure de la façon que nous avons mangé qu'on y a là. Aïe, aïe, aïe. Bagay a changé tout bon, tout bon, tout bon, tout bon, tout bon. Nous ne pouvons pas parler de ça tout à l'heure là. Ok, mais entre-temps, laisse-moi faire ce petit devoir d'inviter tout le monde pour tout le monde qui a un petit gens qui a gardé les choses ça. Parce que moi, je voulais que pour chose ça, tout chose est toujours important. Hein? Mais il y a un chose qui méritait pour Mounio garder. Parce que en pif, parfois, il y a un peu de monde qui perd la vie. Oh. C'est pas ignorance. C'est parce que bête, non? Pas ignorance, parce que pas qu'on est. Ok? Et surtout, non, mon en Haïti, au diable. En plus, mon en Haïti, yo pas qu'on est pour diable. Ça, yo pas qu'on est du tout. Et puis tout, il n'y a pas d'accès, tout, hein. Ok? C'est pas tout en Haïti. Pas tout en Haïti. C'est pas qu'on a un peu de gastro-entérologue en Haïti. Ok? Et puis, c'est pas routine, il fait ça en Haïti. Tandis que, ici, on a une routine, hein. On a une routine. Ok? Donne-moi une seconde pour m'inviter plus que mon que possible. Ok. Laisse voir. Laisse-moi inviter plus vite que possible pour nous garder plus de monde qui a regardé le programme. Et puis pour nous car et puis en tout temps on me dit que nous-mêmes tout essayer partager choix avec l'autre amis non ok donc pour ceux qui viennent d'arriver qui sont nous fait qui branchent là on va faire un petit râle encore pour nous parce que si oh là là oh là là pas fait ça oh là là. Ok. Ok, excuse-moi. Mes amis, je vous demande de ne pas m'envoyer des textes lorsque je suis en plein air. M'a dénoncé en grâce. Oh là là. Maintenant, ouais, que m'a fait choix. La vôtre texte, la vôtre bon. M'a pourri ça, non? Et vous n'avez pas répondu, non? Ouais, immédiatement que m'a envoyé texte ça. Et puis, ça, c'est pas dit maintenant. Ok. Ok. All right. Yes, non, Meva, I don't look at which name that I invite. Everybody, I check on every, I text, I press on everybody. Okay, so let me finish the list. One second, let me finish the list. Et puis après ça, on va continuer. Okay, let's voir. Parce que j'ai il y a quelques monde là pour me regarder là ouais. Oh yeah. Pas en pile, pas en pile, pas en pile. Pas en pile. Let's voir, let's voir, let's voir. Pas en pile, presque fini. Presque fini. OK. OK, let's voir, presque à la fin. Parce que chose ça, moi, je voulais que nous partagions chose ça, surtout pour le monde qui est en Haïti. Yo. Ok? Moi, je voulais nous partager les parce que l'observer au monde quand même. Ok? Même si nous n'avons pas qu'à faire endoscopie en Haïti, la traversée qu'à voisin, la Cuba, la fait en endoscopie, peut-être que nous n'avons qu'à sauver nous. Ok? All right. Donc. All right. Donc. Donc. Laisse-moi dire bonsoir. Adrien Bateau, salut. Norma Clotaire, salut. Salut. Meva Rodriguez, encore une fois, salut. Dunez Augustin, salut. Willy Eugène, salut.
Eluj Bomacho, Gaso Pam, Zakafet. Salut Frem. Orchidée Etienne, salut. Les voix. Gina Jean-Hilaire. You miss me from Alice Wood. Ok. Alright. Thank you for not letting me know that, I'm being missed. Boutou diyan ke, se maladi pam nan l'estoma, boule, mwen sentil depi matin, apre mwen fin manje, un banan. Ok. Now. Boutous. So, lè kou gen maladi sa, Boutous, banan se pa api bon manje ou manje. Ponsou banan nan dur. E mba di nou sa pou nou fe, moun ki maladi ma sa. Ok? Nan, banan nan dur, e normalman ke, si l'estoma enflame, si l tou rouj, normalman la fel pi mal. So, pi ga manje banan dur. So, manje banan ki mûr. Ok? Nan, et talè mbal di ou Boutus, so ka fe pou maladi sa. Nan, donc, so, before I proceed, let me give a recap of what I have just said a while ago. Tonight we're discussing gastric cancer, which is the fourth common cause, the fourth most common cancer in the world. In Asia, it's probably the most common cancer. And in the United States, it is the 15th most common cancer. Now, in terms of age bracket, it can occur between 19 to 40, but for the most part, gastric cancer is a disease for people from 60 onward. But lately, we have observed a great many of young people are afflicted by gastric cancer. And sometimes you wonder why. And then I'm gonna give you my thinking about it, which not may not be scientifically proven, but I have to really give you my say on it. But it is a disease that occur between, you can see from 19 to 40, but it mostly people who are affected with this disease, people in their 60s above. Now, in terms of symptoms, fatigue, most likely when you have fatigue is when that the cancer erodes in the submucosal layer and then reaching to the arteries and the veins, and then you bleed and then you become anemic. Next one, you feel bloated. Next one, you feel full after, but the minute that you put a spoon for your mouth, you feel full. And the most common symptom that you usually have is heartburn. The heartburn, it's problematic because many people can confound the heartburn with peptic ulcer disease. And other symptoms, if somebody has unexplained nausea, so and the person feel nauseous all the times, and that's an indication, that may be an indication for gastric cancer. Stomach pain, that's another one. And usually the pain is already mid-epigastric. So whenever somebody has a potential gastric cancer and the patient has pain, that means that the cancer is far advanced. And next one is that persistent vomiting. Vomiting, especially if the person has an obstruction somewhere, and as a result, the person does not really digest the whole food, the food stays even within the stomach. And finally, the person can have an increased weight loss. The weight loss is because by the person never eats a full meal. Okay? All right? They never eat a full meal,
And then, so they're always, the stomach is always full. There's no gastric emptying of the stomach into the duodenum. Okay? So therefore, the person never eat a full meal. Okay? That's what I've spoken so far in terms of gastric cancer. Let me see. Duni chérie, salut, comment ça va? Bonne soirée à toi, docteur Benoît. Je te suis attentivement. Merci d'être toujours au rendez-vous pour nous informer au niveau de la santé plus précisément. Mais merci, Duni. Mais merci. Now, en termes de groupe de monde, en termes de et qui est-ce qui a gagné le cancer là? C'est son cancer que au cas joué dans tout le monde entre 19 et 40 ans. Okay? Mais plus particulièrement, c'est une maladie où joué dans le monde qui n'a 50 to 60 above. Now. Mais là, quand ça arrive dans le jeune monde, il est toujours vraiment brutal. Et lui, vous en que l'hypothèse monde ça va aller rapidement. Et t'as le lambre à parler nous, parce que longtemps, on monte qu'à penser cancer de l'estomac, son maladie, grand monde nié. Mais, genre que diète l'a changé qu'on y est là, avec toutes sortes de manger que nous avons mangé qu'on y est là, avec tout, m'a dit clairement, avec tout garbage que nous avons mangé qu'on y est là, tout manger synthétisé, tout manger qui est en pile produit chimique là d'ailleurs, en pile jeune monde, leur revenant 40 ans, ils ont gagné cancer de l'estomac. Et me dit un bon ami, moi, il a un cancer de l'estomac, il pas fait trop longtemps, il a à peine 40 ans, cancer après l'estomac, et puis il veut l'aller. Donc, qui veut dire que, au même capsule moins qu'on y a là, surtout mon en Haïti, mes amis, cap manger, vieux manger, qui sorti côté voisin, manger pas bon même, et c'est là que, pis devant, dans 10 ans, 15 ans, ou pas attendre des dégâts en Haïti. Okay? Parce que moun y a mangé mal, moun y a quitté manger la terre pour manger, y a mangé vieux produits chimiques, et puis tout. Moun yo manje an pil manje fri, sou genye de maladi ki pa rive an Haiti pi devan, se yon maladi kardiovaskuler, maladi ke, ok, boutus tenen mwen boutus, tenen bien boutus. Ale jen gason, fe maladi ke, ok, jen gason ka fon stroke, ou ka gen 30 an, 35 an fon stroke, fasil, parce que c'est faut regarder l'âge encore, faut garder soit manger qui soit manger. Si vous faites 30 ans manger champan, normalement vous gagnez on à terre qui gagne 30 ans d'abus. OK? Et vous ca font stock. OK? Hein? Yeah. Meva, yes, we eating garbage. Dis-le beaucoup, salut, hein? Salut. Ouais, salut. So, pis qu'à penser qu'on y a là, le fait qu'on soit ou jeune, on n'est pas arrivé. Ok? Parce que moi, jeune, moi, qui a 29 ans, qui a un cancer colon. 29 ans. 29 ans, qui a un cancer colon. Oui, le cas qu'on histoire, famille, la caillou, ça, je n'en dis qu'on vient pas, mais, ou gagner diète là qui change là que nous va parler de l'état là qui à la base de on croissance de bah, ça. Donc le fait que et Boutus partage ça avec je monsieur le fait monsieur qu'on y a la négro en forme négro gagne bibite négro dans 21 ans pas penser que puis devant nous va travailler nous va payer pour lui, nous va payer pour lui. OK donc surtout en Haïti, qu'on y a là, moun yo manje excessivement mal. Moun yo kite manje la terre, puis yo manje champan, vieille poule, vieille zé.
Et qui on connaît dans nos pays en Haïti, on mange des céréales. Qui céréales, vieilles céréales. Côté bon maïs moulin, non. Côté bon petit manan, non. Côté bon harangue, non. Côté bon morue, non. Non, moun yo a mangé vieux saucisson. Bon bagay saucisson, ça. Bacon, ça. Tout bagay, ça. On va parler de lui tout à l'heure. C'est eux même qui causaient maladie, ça, non. Qui m'a parlé là. Ok? Parce que l'on passe sur route frais, ou bien Pétionville, ou allons bac fritaille, ou à garder vieux saucisson qu'il a depuis un mois. C'est passer dans l'huile, tourner dans l'huile, tourner dans l'huile. Bah, ça, manger bah, ça. Si vraiment malade, si vraiment gagner un département de la santé en Haïti, vraiment, bah, ça, faut envisager parce que. Vraiment, Haïti, dans 10 ans, 15 ans, pas gagné une épidémie de maladies cardiovasculaires. Bah, voilà, côté jeunes garçons, pour aller tomber. Et puis, les tombés, il y a dit que c'est le monde qui mange. OK? Il y a dit que c'est. Il tape le travail, et puis, il voit un morceau. Et pourtant, il n'est pas vrai. Le besoin est que c'est stop mon fait ou du moins mon yo gagné problème cardiovasculaire. Magli François, you're a stomach cancer survivor. Very good. So, Magli, I would like you to give your experience to the audience because you are a very good example of a cancer survivor. That means that you are extremely lucky. Extremely lucky. The fact that you're probably in the medical field, you probably got there very, 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 very early, and then you're able to the diagnose very early. But there are not too many cancer survivors who can have the chance to say they are survivors. Okay. All right. So, Magli, feel free. I want you to intervene and give your opinion. Now, qui facteur, qui risque, qui est-ce qui monte qui prédisposé pour gagner maladie cancer dans l'estomac? Monte qui manger salé en pile. Moun ki manger fumé. Par exemple, moun Haïti yo, Boutus, ma pala vo frèm. OK? Ouais, vie bak manger yo ki nan kabaret, ki nan kabaret, ki ou akayè, asé lembalé et Jamel. Toujours gon bac. Bien, on côté ça. Hein? Et nos carrefours là, avant arriver là, faut descendre là pour mon vigrio. Vous comprenez? On vigrio. Donc, l'on manger saucisson ça. Yo. Saucisson fumé ça. Yo. Vieille poule fumée ça. C'est au même qui a la base qui bat nos maladies cancer ça. Yo. OK? Ah, c'est une là-dedans. Mais il va dire que, even Dominicain pas manger, Tintin. Haïti manger ou non, Dominicain pas manger ça. Ou. Dominicain, ça va faire? Il traverse les frontières, il a les Wanamet, il a acheté manger, bon manger, il a porté la caillou. Et puis, il a ba nous, vieux Tintin, vieux saloprio, nous manger. Ou. Ok? C'est parce que nous avons un gouvernement qui respecte les têtes qui fait que ça arrive nous. Vieux Zé. Vieille digri, vieille saucisson, vieille poule. Poule à lui-même, son poison lié. C'est poison. Ok? Ou après Dominicain, l'a entré en Haïti, l'a haché pour le pays, et puis l'a mangé la calée. Ok? Let's see. So, Magli, so I would like to give you. Ou dire que moi à parler créole pour tout le monde qui a suivi moi en Haïti,
Exactement, oui, Imagli. M'ta aimé que. Oui, Mariani Boutus, yeah. Oui, Mariani, yep. Gon live fritay la. Fritay la va ki fritay la bon, non? Mais vie, c'est vie bagay a fait yo. Vie griyo ki la. Vie griyo ki la depuis 3 semaines n'a mangé. Yo met yo non, vie l'huile la longtemps. On vie saucisson. On vie poule frit. Mais gros, c'est cuisse poule yo. C'est ça qui a bain nos maladies yo. So, Magli, yes, parler créole pour tout le monde qui comprend. Parce que Boutus là, l'Haïti, monsieur Sénèg, à Kaye Cabaret, la partage vidéo avec tout le monde en Haïti là. Now, gagner un bagage que nous avons bien. Loi la maquette dans ici. Nous avons que les nations ont pomme éclairée. C'est. Yo flite li avec un bagay qui pou kesson de vil. Li bay sa yu genye aflatoxin la dan yo. Ok? Right? Le na chon raisin, c'est même bagay la. Est-ce que nous jamb la ale, le na gade nan la maquette, qui dans Haïti, qui États-Unis, nous we, le na gade grosse steak yo tout rouge, bien frais. Yo met esprit là-dedans yo. Hein? Yo met esprit là-dedans yo pour qu'à conserver. Tout ça c'est poison. OK? Ti moun ici ka bwe vieux jus ça yo. Jus ça yo plein de chimique là-dedans. Ouais, tout ti moun ici gras. Tout ti moun ici gros. Hein? Vie pour tout chips ti moun manger. Tout bay ça yo. Yo ba bon. Yes. Ou gen bagay fast food la li même. Asi poison fini. M'pa cite non aucun compagnie. Pi yo pa di que même ma ben mais nous connaît fast food yo, c'est poison. Poison fini. Bon moi ki ça. If calme là, sou besoin bon chicken, manger chicken organique. OK? Organique c'est qui on tient qui élevé non poulailler que qu'il c'est pas sans que pas balle sans pas balle pique. OK, en général il est thank you hein. Bon moi qui ça m'a dit je m'a dit que en 1990 moi tape bon ouais diarrhée tout noir. OK, ou te gen diarrhée tout noir. OK, mais avant ça t'est arrivé, moi t'ai kon gagné douleur dans estomac moins. C'est comme si c'est un monde qui piqué à un aiguille. Eh ben Magli bay exactement ça me dit là. OK, les que ou bay aiguille ou bay poupou noir, c'est parce que acide m'te dit à l'heure là, li vin mélanger avec acide là, li vin mélanger avec sang et puis acide la changer structure hémoglobine là, li vin faire tout noir, ça fait que l'eau poupou li poupou noir. OK, et puis ça que li manger, ça que douleur, c'est parce que tout ça c'est acide là qui attaque vaisseau sanguin yo, qui attaque nerf yo. So Magli, continuez avec présentation. Canadien que they cover them with wax to preserve. Exactly, you're right. Yeah, Timonio, you're getting big feet parce que why? Because why Timonio? Kaol, yo mette en pile growth hormone nan tetin sa yo. Ouais, ti moun nan genye 5 ans, ti moun nan ti moun genye 10 ans. OK? Ou mette les parents ti moun nan tout coûte et puis ti moun nan li font géant 6.5. On comprend? C'est parce que trop growth hormone yo mette nan tetin nan en pile manje nan pays États-Unis, nan Canada. C'est garbage joye en pile là yo, c'est garbage parce que gen trop moun pou yo bay manger
il y a 350 millions de monde pour manger dans les États-Unis, il n'est pas possible pour faire manger sur dans la terre. Mais monde qui connaît ba ou bien blanc qui connaît blanc qui gen cob là, il pas l'acheter vie manger que moun a manger. OK? C'est plus monde qui dans l'eau socio-économique groupe yo qui cap consommer vie manger ça. OK? Blanc lui-même, sous garder bien. Ou aller dans n'importe dans suburbs ou après salade frais ou après jus frais ou après bon jus ou pas besoin jamais vieux jus ou pas jamais vieux jus y a vendre dans quartier mon noyau. OK, c'est rarement ou besoin un fast food restaurant ou besoin un restaurant pour aller manger, mais ou besoin une ou deux, mais pas pour ou pas besoin en population de tout bah ça. OK, c'est ça qui fait que blanc toujours parfois et en termes de santé-li beaucoup plus préservé que un monde qui est noir. OK, let's voir. Magli dit que moi fait de 1990 à 1992 m'a marché l'hôpital, y a pas qu'à jamais ça me gagne. OK. Eh bien, nous talent nous dit ça parce que c'est pas une maladie que yo suspecte facile. Normalement, si ou ta bay sang noir, faut docteur ça te gagner un petit agilité intellectuelle pour te voyer ou un gastro-entérologue pour mettre faire un endoscopie pour. Pour des bons on a pour noir, réaction c'est que ou saigner en haut. OK? So docteur ça était supposé voyer ou un gastro-entérologue. OK? Bon, moi, qui ça, Betty dit que organic is the way to go. I agree. Bon, moi, qui ça, Magli, continuez avec la présentation. Betty dit que, si, m'baffe comment on a dit que, blanc, yo, yalan Whole Foods, exactement. Blanc yo yale en pile blanc qu'habite nan New York, yo al acheter manger Pennsylvania. OK, yo boit lait qui sorti en bas bœuf là et pur. As a matter of fact, yo resa gen Comish. OK, Comish the population, yo sou ka order manger nan men yo. Yo voye manger à pour. OK? All right? Yo voye manger à pour, manger qui frais. Tout bagay c'est frais. OK. Joseph Kisha dit comme ça que manger naturel en Haïti, yo bon si ki yo manger pour bon, ouais. Manger naturel en Haïti, yo bon si ki yo pas manger produit importé yo. Oui, c'est vrai. Manger produit en Haïti la frais qui sorti dans jardin, c'est ça net. Mais produits importés yo c'est problème yes exactement. So eh bien et Joseph Kissia et malaria les que les produits manger naturel là, les pas manger les vendre pour qu'avoir un plus comme et puis les manger tintin qui dans l'arrière. Et ça fait que en pile monde malaria en Haïti mouri. OK? Hein? Yo paysan, l'elle fait banane, patate, yam, au lieu li manger yo, konkou longtemps, li pito voye yo nan marché al vann, et puis li pito al manger vie bagay ki bon marché yo, et puis li se kobli. Magli dit comme ça que tout gastro-entérologue passé, yo pa jam joine an yen. En 1993, moi tombé enceinte à 4 mois. Moi vomissant vif les que moi arrivé l'hôpital là, yo bon sang. Oh baba. OK. Ça c'est un Memagli, you're lucky girl. You are a lucky girl to if you're serving God. Okay, as your
as your king, as your wherever, you should continue praying because you are a lucky person. Because it is not often to hear this. Okay? But malgré continuer, m'da même en Haïti, suivre ça, ça me dit là. Parce que assurément, il y a mon Haïti qui fait même expérience ça. So, Magli, merci beaucoup. Continuez à présenter maladie là. Bon, moi. Ok, il y a une question. Ma aunt can barely speak and she's been like this almost a decade in Florida. But she claimed that she's all right and refused to see a doctor for this particular issue. Please, doctor, let's see. I can read the rest. Okay, because I don't want to press too much. I don't want to lose the audience. But anyway, your aunt has to see a doctor because she may have a cancer. And by the time they make the diagnosis, usually too late. All right? All right. Okay. Now, pendant que Magli François a présenté Kala, mais même a continué à la présentation. Now, nous dit que manger qui contaminé par aflatoxine, yo plutôt à risque pour gagner un cancer de l'estomac. Si gagner une histoire de famille qui ou mon papa te fait cancer de l'estomac, ou gagner tendance pour gagner l'estomac. Si gagner ou gagner inflammation, c'est-à-dire que par exemple, moun ki genyen ou asidite enraje, epi parwa mukeur toujou enflame, so kavin genyen ou problem ki fe sa. Talè nou pa pale de sa ka koze ki fe ke ou moun genyen se l'estoma. Moun ki fume ka koze, baze lor fume, fumeurs sont sorte de en pile monde qui smoke cigarette. Il y a un risque pour gagner cancer de l'estomac parce que smoking là, les causer, les changer caractéristiques cellules là et puis les venir cancéreux. Now, on a parlé de physiologie qu'on y a là, ça cause le cancer là. OK? Le cancer dans quoi les cellules? Cellules, yo divisé. Yo ça, division cellulaire. OK? Qui normal. OK? Les divisés, les former et puis la générer tête. Mais si on défaut qui paraît dans son cellule, non cette cellule. Yo ça on mutation qui fait. C'est-à-dire que si on l'a divisé mal, l'a divisé mal, l'ivini attaquer l'autre cellule. Et puis, vient gagner une multiplication de cellules cap undergo division cellulaire et de ce fait que on monde vient gagner tendance pour gagner ce qu'on appelle cancer. Yes, Carole, me fait dire la là, on inflammation de ça. Well, tout dépend. Si vous avez une inflammation au niveau de jonction gastro-œsophagus, vous avez tout à l'heure là, Carole. OK? Vous avez tout à l'heure, Carole. Yes. Si moun nan gen inflamasyon la, ok, sa se di esofaj, esophagus, that is stomach, that's the gastro-esophageal junction. Si moun nan gen yon inflamasyon la, oui, pafwa ka gonyon ki gen kanser la, nan gastro-esophageal junction. Yes, yes, si ka gen kanser. Let's voir. Mwen te genye, on se l'eglise mwen, qui était à travailler dans l'hôpital
ça qui c'était Santa Cabrini. Il dit comme ça, les mots qu'on s'y fait mieux pour m'aller dans l'hôpital universitaire. M'écoutez, il faut moi dire non que yo t'ai fait ça. So, Magli, very good. M'bavle continuer. Bah là, vas-y, m'bavle pas du tout bagaille. Mais, ok, ou dit que vous devez seul l'église ou, qui t'es conseillé pour aller dans l'hôpital de ça, l'hôpital universitaire, c'est ça que, et peut-être que c'est là que vous venez de détecter qui maladie ou gain. So, continuez, Magli François, pour Mounio, puis regardez que, parce que, ou décrit description typique de maladie. Carole, you're welcome. Donc, c'est à partir, c'est comme ça que le cancer apparaît. C'est à partir de mutations. OK? Et mutations, les cas arrivent dans tous côtés, dans nos corps. OK? Par exemple, OK? Ouais? Ça, dans mutations, OK? Les cas arrivent dans tous côtés, dans nos corps. Dans tous côtés de l'estomac. OK? Ouais? So, hein, les cas arrivent dans la partie gastro, esophageal junction, non? OK? Alright, là. OK? Les cas arrivent à partir de fundus, là. Les cas arrivent à partir de core, body, l'estomac. Les cas arrivent à partir de intrum, l'estomac. Les cas arrivent à partir pylorus, l'estomac. So, ça, c'est l'estomac. OK? C'est quoi l'estomac qu'on fait. So, ou quand il y a un cancer, notre côté partie ça. Ou quand il y a un cancer là, ou quand il y a un cancer là, ou quand il y a un cancer là. OK? Ou quand il y a un gastro-esophageal junction, ou quand il y a une partie ça, ou quand il y a un là. So, là où il y a un là, OK? Ouais? Il causait ce qu'on appelle un gastric outlet obstruction. Il dit que l'eau manger a pas sauté, il n'a pas descendu l'intestin. Manger a arrêté là seulement. Et ça fait que l'eau manger, l'eau qui cancer exactement, ou full, ok? Parce que second cancer, cancer à bulky, cancer à chija là comme ça, il prend toute la comme ça, ou venir seulement, tu bâtis ça dans l'estomac là. L'eau manger arrivé là, le stop. Et ça fait que, en pire monde, qui gagne cancer l'estomac, l'eau manger, il full immédiatement. Ok. Nancy Mayro, mes salut. Now, qui complication qui a gagné dans le cancer l'estomac? Premièrement, ou ka gagné, ou ka saigné, même bien avec Maglidou, hein, ou saigné. Et puis, ou ka vin gagné, de l'eau qui envahit intestin et puis poumon. Ça, c'est là que, quand c'est à les métastatiser dans le corps. Ou ka gagné ce qu'on appelle obstruction. OK? Obstruction, je vais montrer tout à l'heure là. OK? Là, c'est que, excuse-moi. Oh là là, excuse-moi. OK? Il y a obstruction. Obstruction, c'est l'allié. Là, comme ça. Là, vini kounia. Là, vini fermé. Là, l'obstruer. Et puis, manger par la descente. OK? Ouais? Et comme dit que, nous cas, nous n'avons qu'à saigner. Magli, Magli te saigné. Gen qui saigné noir, gen saigné qui est vif. OK? Now, moment qui ça Magli dit que moi mais grâce bon Dieu, moi accouché petite là que yo te dim qui te mouri que yo te vle retirer dans ventre moi. Qui gagnait 23 ans qu'on y a. Ah, Magli, ah, va dire, ou gen pile bagay pou di merci. Parce que, en pile bagay. Very good. That's a very good story. So, ça, c'est une belle histoire. Magli qu'on y a là, ou pas dire qu'on y a là, qui j'en finalement, yo te vin fait de te diagnostiquer cancer là, et ça, on te fait pour. Now, qu'on y a là, bon, ouais, Cassie, Jean-Louis dit comme ça que, hello, Dr. Benoit, how you doing? I'm not feeling well. My stomach been hurting me so much.
My head hurts so much, and I'm been throwing up, and I feel so weak. Why this happened? My first time like this. Oh, Cassie, you describe typically somebody who has problem with their stomach. So you may have a peptic ulcer disease, or you may have something else. So what I advise you to do, Cassie, I want you to go to see your doctor tomorrow morning, make sure the doctor runs some blood tests for you, and then the doctor can refer you to, if the pain is very severe, the doctor should refer you to, say, a gastroenterologist. Okay? Because what you describe here, Cassie, is typically somebody who has a problem with their stomach. Okay? You said that you're not feeling well, your stomach hurts, and you said that you're throwing up, you're vomiting. Okay? You're so weak. Now, make sure that you're not pregnant. That's the first thing. Make sure that you're not pregnant. Now, if you're not pregnant, if you're not of the age to be pregnant, then I would advise you to make sure that your doctor refers you to see a gastroenterologist. Okay? Now, qu'est-ce que vous faites diagnostic maladie ça? Premièrement, vous faites ce qu'on appelle un œsophagoduodénoscopie. Un œsophago, qui veut dire que ça un œsophago. OK? C'est ça que ça, yo prend bagaille, right? ça c'est œsophage là. OK? Let me. Hein? Ça c'est œsophage là. OK? Ça c'est le œsophage là. OK? Œsophago duodenoscopie. So c'est que l'œsophagoscope là, yo passe là, yo passe là, yo passe jusque là. OK? Ouais. Vous dire que moi-même, tant que je connais qu'il m'a fait émission sur kidney. Je fais déjà sur kidney, mais même quand je reprends encore. Pas un problème. Je vais reprendre l'émission sur kidney encore. Parce que l'émission, ça va toujours bon pour reprendre. So, one of these days, I'll do une présentation sur sur maladie rein. OK? Cassie, make sure you do that there, okay? Make sure that you take care of yourself, make sure you see your doctor so things will not get worse, okay? All right? And keep us posted. Now, le bel ami, salut. Magli François, nous avons que kounya nous avons connait que qui j'ai été fait diagnostic pour vous et qui traitement était bon. Now, qui j'ai eu diagnostiqué, comme tout à l'heure, j'ai fait un œsophago duodénoscopie, c'est une, ou du moins j'ai fait un upper GI series, et puis regarder si que avec contraste, si que tumeur a goût en pile, le passé tube là, il pas arrivé. Je supposé faire un biome swallow pour garder que dans qui extent et maladie arrivé. Le bac a fait bon corps pour, le cas font un MRI ou bien CAT scan pour garder que si que maladie a pas métastatisé l'autre côté dans foie, dans poumon. C'est ça yo gagné comme diagnostic. Much you, my dear sister, how are you? I heard that California, the fire is still rampant, so I hope you're safe, okay? Let's see. Madiak, I had a bowel obstruction due to chemo and radiation. They had to take 6 feet of my intestine. That was 4 years ago. From time to time, I get a lot of pain and must go to the hospital. Okay. I see. So, your bowel obstruction is probably due to colon cancer. That I presume. Okay? So, correct me if I'm wrong. Okay? So, you probably had colon cancer. And the mass that you had obstructed your bowel. So, they probably do surgery for you. And then they do chemotherapy and radiation. Again, these are cases that
That 4 years ago, that means that you're lucky again, Mark. These are cases that really, I mean, that's amazing. That's amazing these people can come here and really talk about this. Okay? So, ça m'a dit qu'on a que, il t'a gagné, il t'a gagné obstruction intestinale. Alright? À partir de chimiothérapie et radiation. So, m'a pas qu'on est chimiothérapie et radiation, si tu fais li, on l'autre côté, et puis causer li. Okay? Mais, second barre l'obstruction, c'est pas peut-être que ça partir de, maybe, it's probably from a colon cancer, probably. So, ça m'a pas essayé de traduire en créole pour Mounio. So, il dit que de temps à autre, là, il est à l'hôpital parce qu'il a une douleur intestin. Et il m'a dit que, 2 weeks ago, il a tellement de douleur, il a gagné pour l'hôpital là. Good thing, you pas joué en rien. Oh, you had uterine cancer. Okay. So, uterine cancer can do that. Exactly. Parce que l'air, uterine cancer can cause bowel obstruction. Okay? So, hopefully, everything goes okay for you, Mark. But I'm glad you're okay, sweetie. Good. Malgré ça que, moi, je prends rendez-vous dans l'hôpital Royal Victoria. Royal Victoria, c'est pas bien au Canada. Yo te voye mandem dossier dans l'autre hôpital là pour yo te ka continuer suivre moi. Yo fait on oesophage test même côté là yo wè un trou dans l'estomac moi qui t'a jeté sang. Very good. So Kounyala, again, Magli, very good. Moi, mes joueurs baillent des coups baillent là très bien. Et m'espère que mon yo assoué là, y apprenne sa Magli abdi là assoué. Parce que si Magli pat nan pays étranger, j'une jour dis là, li pat ap ka pale bagay sa. Du tout. Si ta Haïti Magli deye, yo tap di li, yo tap mette deux feuilles sous tête li, yo di li prante, yo beni, yo mette le couché. Yo dit lien disposé et après ça autant de quel parti pour l'autre pays. So grâce à Dieu, Magli ou dans gros pays qui fait que yo fait ba sa bro. So dans même que Magli continuer et avec présentation. Très bien hein Magli, très bien. Merci beaucoup parce que wap edim fè choua et puis wap éclaircir mon yo plus parce que mon même on va être vivant wap expliquer là. Now, on l'autre ce qu'a fait pour mon yo, yo ka fait une biopsie. Lè on fait biopsie a assurément ils font biopsie pour Maglito. Yo prend un petit échantillon. Il faut prendre au moins 6 échantillons côté yo wè masse là puis analyser. Et le plus souvent type de cancer yo jeune là yo les li yo yonyo yo adénocarcinoma. Adénoa c'est un glande qui gagne cancer parce que l'estomac c'est les composé de glande de gastro gland. Ou ka gagne un lymphoma tout. Ou ka gagne un carcinoïde. Ou ka gagne un cancer de type squamous cell carcinoma. OK? Mais cancer qui est plus commun hein, c'est un adénocarcinoma, c'est un cancer des glandes. OK. Now. Là, c'est des derniers tests que tu as fait pour voir. Parce que, anytime que tu as un cancer, plus tu as un traitement, faut que tu prouves par une biopsie. Magli, continue s'il vous plaît. Continue s'il vous plaît. Oui, c'est vrai, mais voilà. Il met des petits fesses sur tête, et puis il dit moi que, et il fait une prière pour vous. Il fait ça l'église à une pour vous, bien passé à une prière pour vous. Et puis il dit que, il repose vous. Et puis après ça, et souriez mon New York, il court à avocat à l'hôpital. Et comme là, il veut l'hôpital. L'hôpital, le docteur met des sérums pour vous. Et puis le docteur dira que, on fait une analyse pour vous. Et puis, les quatre gars pour yo,
Vous dites que, ah, il va pas faire un bout, faut partir. C'est comme ça qu'il y en a dit. C'est comme ça qu'il y en a dit. Yep. Il fait comme nom, mais on veut dire que madame, monsieur, et qu'a dépassé nous, faut en Haïti. Vous comprenez? Faut partir. Et tout le monde en Haïti, tout cas médecine doit tout pour Haïti. Tout c'est Cuba ou bien Dominicanie ou bien Sagé Chancelan, il coupe pour un avion et puis il y a Miami. Now, qui traitement gain? Moi, ça m'a dit que je ne voulais pas perdre du temps avec moi. Je dis faut opérer tout de suite. Je vais me rendez-vous pour me rencontrer avec chirurgien qui peut aller opérer maintenant, mais il m'a dit moi on biopsie. Very good. Exactement. Et c'est ça me fait tout à l'heure là. OK? Ouais. Conseil kounia toute famille moi a crié parce que je connais moi pas mourir. Oui, parce que Magli et sorti rien là m'a dit parce que depuis 1910 ou gagné et sous la famille au t'a crié vraiment ça se comprend mais maybe you aren't ready yet to be called yet. Donc, me fait by tout type de biopsie qu'on y a maglé, dim qui sort de l'autre biopsie, qui est notre type, moi dit à l'heure là, pour dire qui est dans yo, je te joins pour la caillou. Now, on a parlé de traitement. En traitement. Traitement, yo ka fait. On total gastrectomie pour vous. Vous retirez tout l'estomac la net. Vous quittez un petit barrage tout petit. Ouais. OK. Alright. Bon, montrez-nous. Vous ça. On gastrectomie totale. C'est-à-dire que vous retirez tout l'estomac la net. OK. Par exemple, vous retirez tout ça net. Tout ça net. Yep. Net. Il crée tout ça net, et puis il quitte tout ça seulement. So, tout ça allait net, toute partie ça allait net. Il quitte tout ça seulement, et puis il y a anastomosé ça avec petit partie qui là. Ça fait que moun sa lui-même, il vient perdu, et moun sa en pile en yo, yo gon petit poche tout petit. Il pas qu'à manger en pile, et puis gon dal bagay que, il pas qu'à manger. Et puis tout, moun sa yo, en pile en yo, yo vin gen deficience de vitamine B12. OK? Moun sa yo, fò pran vitamine B12 for the rest of their lives. So, yo ka fè on gastrectomie totale ou du moins yo ka fè on gastrectomie partielle. Yo retire on parti nan estomac. OK? Et puis tout, si que yo joine que cancer a dépassé paroi gastrique là, yo ka ba mounan radiothérapie, c'est-à-dire que et radiation, et puis yon ka ba mounan chimiothérapie. Ok? Mais, conseil pratique là, c'est pas tout le monde, même Jean Magli, qui a chance qui peut venir raconter, qui peut raconter maladie yo, et puis y a vivre toujours. Cancer dans l'estomac tue. Et bien, tout le monde qui est chance ça. Et le plus souvent que le cancer de l'estomac est très jeune, il voit plutôt plus rapide. Et en pile monde qui est cancer de l'estomac, éventuellement, cancer a toujours pu y aller. Mais il va dire que ça qui pisse me off en Haïti, c'est sérum à cabane. Qui tout médicament. Ça, c'est vrai, mais pas. C'est pas gagné encore. Depuis patient arrivé à l'hôpital en Haïti, premier ça au bord, il flanqué un sérum dans bras. That's it. OK? Après ça, il met sous cabane, il va faire rien encore pour encore. Rien encore avant rien encore. Voyez, moi, du moins, en Haïti, il y a tout docteur qui a fait un endoscopie. OK? Et c'est ici, dans le pays Canada, même dans le pays
même dans le pays dominicain. Ah ouais, routine, hein. La routine. La routine net. Et pas gagné là que nous pas faire. So, Magli, je t'attends avant de terminer pour dire finalement qui conclusion. Ok? Ok, so, je crois que moi là. Je suis fini là. Parce que maintenant, tout récit là. So, je vais prendre ma glib à moi, dernière conclusion pour me faire mes choix. Pour ma glib à dire que, et finalement, ça qui est passé avec opération. Ok, ma glib dit que, de Benoît, ou pas quoi, ça me va dire là. De Benoît, ou pas quoi, ça me va dire là. La journée, rendez-vous biopsia, moins vomi encore vif, on me vif, les moins rivés, yo tout gardé l'hôpital. Wow! Ok, Magli. Continue. Mais Magli m'a dit que, ou gen chance dans le pays, dans le pays où y est, si vous avez dans le pays d'Haïti, dans vomissant juste en fier le passé et puis les autres du comme ça que ou pas gagner assez sang les allant banque là ils dit que pas gagner assez sang pour bon sang et puis là ça ou tout mourir c'est comme ça en Haïti banque de sang pas gagner assez sang. OK. Bon, OK Magli, so, ma tenir ça hein. Son belle histoire qu'on baille là, hein? Très belle histoire. Ok? Docteur a opéré, li retirer tout l'estomac, moins, my God is gone. My God is good. My God is good. Ok, même comprendre. Je dis que utilise ce macro. So qui veut dire que Maggie, so ou pas, you fait un total gastrectomie pour. Ok, est-ce que ou t'es capable de prendre radiation avec chimiothérapie? Et puis est-ce que qu'on y a là pour prendre vitamine B12? Parce qu'il faut prendre vitamine B12. For the rest of your life. Il y a plus de tout, pas à manger tout. Hein? Mais va dire que, moi, t'es à faire visite maternité. Moi, saisi, moi, un paysan, que j'ai bam. Mon paysan que j'ai bon que le diabétique si on m'en aller moi relé en moi. Oui mais vas-y grave en Haïti mes amis parce que Magli vraiment tu es chanceuse d'être vivante ce soir parce que sous Haïti là nous a au top 500 vraiment il va. Je vais apprendre ce gain. Deuxièmement, les plus beaux sortent de Vincent. C'est pas que nous avons ridiculisé Haïti, non? Et bien, ça nous a dit non. C'est parce que nous n'avons pas pris la vie importance. Ok? Nous n'avons pas pris la vie importance. C'est pas que nous avons ridiculisé Haïti. Et bien, ça qui a fait là du tout. Ok? C'est que nous n'avons pas pris la vie importance. Côté puis mettez cob yo va mettre le cob là yo mettez cob là dans belle machine dans belle caille. OK, yo pas mettez cob là yo pas investi dans humain. C'est ça qui passe en Haïti et gain cob
gen kob, gade kob ki gaspye nan Petro Karibe, yo te ka genyen menm 5 bon l'hôpital nan peyi a. Chak a 20 milyon dola. 20 dola? Ouè? Ouè kob gaspye? Yon mouto ke se jan son mechan. Ok? Ouè? Avek kob sa, tab gen 5 hôpital si yon gen Haiti, epi la pe, tout moun te katone la kayo. Pase tout, de yon peyi, pa gen l'hôpital, ou pa katone la dan. Bon ouè, ki sa magi diyan ke, li te di, li ta po al retire tout estomac mwen, ok? Ok magi? Ok? Est-ce retire tout estomac ou? Invite yo dat salut, comment ça va? Magi diyan ke, le opération fini, docteur vin wè famim li di se pa li ki opérim paske tout sa li ta pou al fè yo li jwenn tumeur mégosè tout noir. Oh là là. Mwen mwen le opération fini. Docteur vini wè famim li di se pa li menm, se pa li ki opérim. Parce que tout ça li ta pral fè yo, li jwenn tumeur mégosè tout noir. Wow. Non, li jwenn tumeur mégosè tout noir. Ou di non, ma est-ce qu'on veut dire comme ça que les docteurs arrivés de en dedans tumeur li réduit de grosseur ou du moins li pa rel li marronné. Oh, li retire tumeur et li pa de gen temps métastiser. Tu es chanceuse, c'est la raison pour laquelle que Magli jodi a là ou ka pala avec nous. Ce qui veut dire que Tu es traité et c'est juste que make sure que yo toujours surveiller pour faire test pour puis yo checker cancer de l'intestin surtout le gros intestin et puis yo checker cancer de l'utérus pour et puis make sure que docteur toujours suivre vous pour l'estomac. Et puis comme tu sais, je pense que tu as tout ça déjà. Ou supposé prendre vitamine B12 pour le reste de ta vie. Donc, malgré ça a été vraiment, je crois que c'est une programme moins fait à soi que très bien malgré. Je crois que c'est une programme fait à soi là qui est plus belle. Parce que pendant m'a expliqué ça, on audience là. Qui a expliqué exactement Jean Santilli et Magli, c'est un livre qui est typique de maladie ça. Mais Magli est chanceuse. Magli est chanceuse parce que c'est pas tout le monde qui joue ça. So Magli vraiment bon Dieu remet en pile. Bon Dieu remet en pile. You gotta continue praying. Mais c'est bon Dieu qui guérit net. M'baga rien me dire ça parce que même si on est au parvenu trois croyants, mais gain si baga qui arrivé, c'est seulement on est grand maître là qui a fait baga ça. Donc très bien. C'est vraiment une belle histoire que maman soit là. So en vérité, j'en suis dire que alléluia. C'est une belle histoire. Ça me fait réellement plaisir. Belle testimonie, bon bagage et Magli, I swear to God, tonight you're gonna save one. Yeah, you. Tu vas, je t'assure, de la façon que tu as pu décrire
de la façon que tu as dû, tu as étalé le décor de ta maladie, tu es certain, il y a une personne présente avec nous, ou du moins, on forme quelqu'un qui a exploité même bagaille ça. Mais toi, tu as été chanceuse ou opérée. Yes, God is great, is the greatest. Je n'en disconviens pas parce que Maglé, tu es riche. Je veux dire, Maglé, que tu l'as fait volontairement de partager l'expérience avec nous. Parce que c'est là vraiment que, vraiment, on pas caché ma maladie. Parce que vraiment, parce qu'on connaît que ça fait là, il a sauvé l'autre monde. It's very touching. Very touching. That's true. Very touching. Moi, si un monde voulait apprendre de maladie ça, juste lit testimony ma glia et pour avoir tout bagaille. OK? Bah, un peu intéressant à dire. Parce que testimony ma glia, vraiment, il ramassait l'essence de la maladie. Donc, c'était avec vraiment plaisir que tu es ici ce soir. Et je vous le montre vraiment. Ouais, programme ça. Boutus, moi, je vous en papi. Partagez vidéo ça, mes amis. Je voulais nous partager vidéo ça en pile. Pour vidéo ça, li capital. Parce que Magli Bay ont testimonié là que c'est en pile monde tant de sale bay là. OK? Ça son gros testimonie à soi. Gros testimonie. Et puis, les pas tiers, les pas peu, les bail le monde, sale gagné. Et les bail le monde, parce que Magli réalisé que, mais testimonie ça, les cas sauvés en l'autre monde. Et à soir, on va aller. N'a voyé un gros shot of love to Magli François. Sister, my sister, we love you. Mille merci pour contribution. N'a voyé un gros l'amour pour vous. Et on prend merci beaucoup parce que vous faites chaud à soir. Et vraiment le show de prédilection. Hein. Parce que l'eau vient. Parce que y a tout haïtien qui remet 10 maladies. Parce que haïtien, tout a caché tout bagaille. L'eau haïtien arrive dans le point ça. C'est parce que vraiment, il voulait sauver l'autre vie. So, à souhait, je vais tout le monde à souhait. Indistinctement, Maggie, I love you. Je voulais tout le monde à souhait. Avant d'aller là, dit Maggie, I love you, thank you. Ouais. Ça, il a souhait. Pour Maggie, il sentit que. She's love. We appreciate what she did. Magli, I love you, my sister. Love you. Love you. Love you, sister. Yeah. So, again, I swear, fais Magli senti que sa fère nous apprécie. So, voyez, tout le monde m'a dit, Magli, I love you. Yes, exactement, c'est ça. Love you, Magli. Exactement. Go ahead. Plus love, plus love, plus love. I want that love. She has the guts to come here and share this. Parce que Magli, il a sauvé Magli. Bon, il a sauvé Magli. Il même lui a sauvé un autre monde. C'est ça. Mais exactement. Yes. Magli, tu as raison. Tu as raison. Tu as raison. Yep. Et tout le monde, by Magli, by love, give her the love. Give her the love. Exactement. Give her the love. Give her the love. Give her that love. She deserves it. Magli, we love you, sister. We love you a lot. And thanks a lot for your testimony. And I'm sure, Magli, you're going to save one life. And I want you to continue saying love to to Magli. All right? Bal Magli, un pile love, I swear. Un pile love. Mais besoin plus love toujours. OK. All right. Very good. Aswea, love là, c'est pour Magli pour lier seulement. Seulement pour Magli seulement.
seulement magli pas même là-dedans c'est le choix pour le testimony ça son thème qui profond et ouais li boli étape par étape ce so, qui veut dire que li vle sauver en vie au monde OK so love là c'est pour magli asoya ba magli lovely all the way and don't stop and also yes exactly you have to give glory to God because if you were not for God you would not be here but you Maggie God has spoken through you to come in this program to talk about what you have experienced and this is the best one of the best show that I've done this is one of the best show that I've done and it really touched me. So again, guys, I have to go. But I want to continue, even though I leave the program. I want to continue to say love you to Maggie. Bye, Maggie. Love just demain matin, parce que ça Maggie fait à soi là son bagage qui vraiment admirable. OK, elle a pu ouvrir son cœur, ouvrir sa vie à nous. Elle a voulu sauver une autre vie. Et pour ceci, Maggie, je te remercie beaucoup beaucoup et je t'aime beaucoup ma sister. OK? And guys, again, you did the show. And Maggie did the show. Et sur ce, je vais me retirer. Il se fait tard, mais quand même, j'espère que vous avez dû apprécier ce programme. Et je vous demande de continuer de partager cette émission avec vos amis, avec la famille. Et aussi bien, je vous demande de continuer à manifester votre amour à vraiment avec Maggie. Maggie a dû faire un travail colossal ce soir. Elle a dû dévoiler, elle a dû étaler sa vie à nous, qui n'est pas facile chez nous, parce que bon nombre d'Haïtiens, ils parlent de maladies, ils toujours cachés. Mais Maggie n'a pas voulu faire autant, elle a voulu quand même faire expérience avec nous. Donc, je vais me retirer. Magli, encore une fois de plus, ma sister, mille merci. OK, I love you. OK, bébé. Merci pour contribution, Magli. OK, vous faites show à ce moment-là. Que bon Dieu bénisse vous. Que vous continuez quand même faire ce faire. Donc, merci que vous êtes dans pays étranger ou dans Canada. Qui fait le jour là ou qui a parlé avec nous. Donc, mais, mon en Haïti, mes amis, nous, Saint-Omiola, Boutus, Frem, fais travail, chère vidéo, ça, chère vidéo, à tout mon en Haïti. Pour les gens qui ont un problème, puis ils pas chita, coucher son cabane, et puis, il y a tant que, et, on va y quelque chose à faire. Si que, ils n'ont pas cap, à l'hôpital, y'a pas qu'à, font gens quand même. Mon connais pas au difficile dans le pays, hein. Pas facile, mais quand même, au cas où on vit. Je dis bonsoir à tout le monde. Je vous donne rendez-vous pour samedi. Samedi, ce sera l'antenne ouverte. Donc, vous aurez l'opportunité de me poser des questions à votre guise. Donc, je ne vais pas m'attarder trop. Il se fait tard. Il faut que je rentre à la maison. Vraiment, ce soir, l'émission de ce soir m'a beaucoup plu. Et vraiment, ça me fortifie vraiment. Ça me donne du courage à continuer à faire le travail parce que je constate que les gens apprécient le dévouement, mon dévouement,
Donc, et je continuerai à le faire tout autant que le grand architecte de l'univers me procure de la santé. Sur ce, ciao. Bonsoir.